back in the town, back at Orlando, baby. Gros plan. Je vous montre vite fait la chambre en bombe, elle a rien d'exceptionnel. C'est une chambre d'hôtel quand tu vas au States. Voilà, vous avez toujours des très grands lits, la table de chevet avec tout ce qu'il faut. Ici, c'est toujours de la moquette, tout le temps, dans quasiment tous les hôtels. Commode, armoire avec grande télé. Ensuite, comme souvent dans les hôtels au States, il y a un petit frigo, un micro-ondes, de quoi se faire du café, toujours. Le lavabo, on a même des petits produits de soins trop cool. Sèche-cheveux, bien entendu. Et donc là, vous avez la salle de bain qui est petite, mais qui sera très suffisante. Voilà, ici, on est sur des baignoires. En tout cas, c'est plutôt propre pour le prix de l'hôtel, franchement. Et le pommeau qui ne se détache pas comme d'habitude ici, j'ai envie de dire. Et bien évidemment, on a une piscine dans l'hôtel comme bah, tous les hôtels ici en fait. Tous les hôtels à Orlando, il y a une piscine. On est à côté de tout. Là, j'ai vu qu'il y avait KFC juste à côté. Il y a des boutiques de souvenirs juste à côté. Il y a même des boutiques pour prendre les billets chez Universal et Disney. Mais ça, ils sont déjà pris. Vous vous doutez bien qu'on n'est pas ici pour enfiler des perles. Et voilà. Trop contente, je suis claquée là, genre en France il doit être vers 3h du matin, j'ai juste envie d'aller prendre une douche, mais j'ai faim, j'ai trop faim, j'ai trop faim, je sais pas si je dors sur ma faim ou pas. Nous sommes actuellement devant le seul, l'unique Walmart pour les courses. Ça, c'est mon rayon, ça. Aïe, aïe, aïe. Là, ça, je le vois dans tous les films américains, ça. Toutes les... Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Et ça, c'est très bon, ça. Vraiment, c'est très bon. J'ai archi pas résisté. Et Samy non plus, d'ailleurs. Eh oui, on est dans la ville des alligators ici, c'est vrai. Putain, celui-là, il est quand même gros en vrai. Oh putain de merde, il y en a plein là. Oh ouais, il y en a un dans l'eau. Ah, c'est ouf. Carrément, il bouge même pas carrément. Guette donc. On croirait que c'est des statues, mais c'est des vrais. Les gars, regardez où on est aujourd'hui. Epcot, bébé. Regardez, on a nos places et tout. J'adore, j'ai la Reine des Neiges. Regardez, Samy, il a quoi, Sam? Oh là là, je suis trop excitée. J'ai trop hâte de rentrer dedans et tout. Non mais regardez-moi cette bombe. Gang, gang. Gang, gang. Ice cream so good. Yes, yes, yes.
T'es content d'être là? Ouais, maintenant on va partir à l'intérieur. On est de retour en France, on va aller voir un spectacle, La Belle et la Bête. Trop bien. Il y a Ratatouille aussi, je sais pas. Je sais pas du tout s'il est pareil qu'en France, on va le faire après. Il y a beaucoup d'attentes, mais c'est pas grave. Bref, next show dans 4 minutes. Let's go. En fait, c'était pas un spectacle, c'était un single long. Donc, en gros, il te passe un film, donc le film La Belle et la Bête, mais en accéléré et sur le point de vue de le fou. Et tu dois chanter tout le long. C'est trop cool. Ce qui est chiant, c'est que les chansons sont en anglais. Alors qu'on les connaît par cœur en français. Oui, mais t'as le sous-titre. Ouais. Donc, ça va. En vrai, c'était sympa. Mais franchement, c'était bien. Ouais, franchement, c'est cool. Ils devraient trop faire ça à Disneyland Paris avec les chansons en français, genre. Ça serait trop bien. Bon les gars, concrètement, si vous venez ici, l'attraction Ratatouille, c'est la même qu'à Disneyland Paris. Donc si vous connaissez celle de DLP, épargnez-vous une heure de queue, c'est la même. Nous, ça nous a fait plaisir de la faire, mais c'est exactement la même, genre il n'y a rien qui change, rien. Par contre, tout à l'heure, l'attraction Reine des Neiges, juste pour ça, ça vaut le coup de venir ici. Hein, franchement, l'attraction Reine des Neiges, une dinguerie. S'ils nous font ça dans le Land Reine des Neiges à DLP, franchement, ce serait le coup. Guys, je suis trop frustrée. Là, derrière, là, en fait, c'est l'attraction Vaiana qui va ouvrir mi-octobre. On a un mois d'avance. Et aujourd'hui, les cast members américains, ils peuvent rentrer dedans. C'est trop bien, je trouve. Mais je suis trop frustrée. Je voulais trop au moins voir la thématisation. Pas genre rentrer dans l'attraction, mais voir juste la thématisation. Ça m'aurait fait plaisir, en fait. Oh, je suis trop triste. Regardez, ça va être trop beau. J'ai vu des images sur Insta. Il y a Tefiti en super grand et tout. Oh là là, ça a l'air d'être une dinguerie. On a un mois d'avance, je suis blasée.
Ah ouais. On s'est pris un orage. Mais un orage, frère, t'as jamais vu ça? Un orage de Floride, en fait. On est complètement trempé de partout. Et du coup, le Uber nous a coûté une blinde. En une demi-heure, c'est passé de 20 dollars et quelques à 56 dollars. La douche ne sera pas de refus. Bon les gars, on est à Magic Kingdom aujourd'hui. Juste une petite déception, c'est que le parc il ferme à 18h et donc il n'y aura pas de spectacle. Donc j'avoue que je suis un petit peu triste. Mais quand j'ai fait la réservation, à aucun moment ça a été indiqué. Parce qu'en fait, il y a les notes sauce spooky night, donc c'est les nuits d'Halloween. Et cette semaine, c'était ce soir et vendredi. Donc en fait, le parc ferme plutôt pour les Horror Nights, entre guillemets. J'avoue que je suis un petit peu déçue. Donc aujourd'hui, ça sera full attraction et full promenade. C'est déjà très bien. Mais j'aurais aimé voir le spectacle au moins de fin. En plus, apparemment, il n'y a pas de parade non plus. Voilà. Ça me déçoit un tout petit peu, mais je suis quand même contente d'être là. En plus, toutes les décorations d'Halloween sont mises. Je suis refaite. Franchement, Jungle Cruise, c'est trop trop bien. Mais en fait, c'est tout qui repose sur l'humour du cast member qui conduit le bateau, entre guillemets. Donc, il faut comprendre un peu l'anglais. Parce que si vous ne comprenez pas l'anglais, vous n'allez pas comprendre le but de la cruise, en fait. Et c'est bien d'avoir vu le film Jungle Cruise avant. Parce que, bref, c'est cool. Il y a des petites. Enfin, il y a beaucoup de ressemblances. En même temps, c'est tiré de l'attraction, donc logique. Là, bien évidemment, incontournable. C'était hors de question que je ne le fasse pas. Ça va être le land de Tiana qui doit ouvrir en fin d'année. Donc il va y avoir un restaurant plus une attraction qui est rethématisée. Ça ouvre en fin d'année, franchement, ça a l'air vraiment cool. Hein. Et il y a des vraies cigognes qui se baladent dans le parc, normal, tout va bien.
Thunder Mountain, en termes de sensations et tout, il est mieux chez nous. Je comprends pourquoi les Américains ils préfèrent le nôtre. Parce que en termes de sensations, il est mieux. Par contre, je le trouve super bien thématisé, le leur. Et vraiment, même quand on est dans le noir et tout, il y a une théma qui est cool. Mais je préfère le français. Et Sam aussi. Petit débrief, Haunted Mansion, c'est pas Phantom Manor. Il est cool, genre la partie cimetière, elle est cool. Mais nous, la thématisation, que ce soit dans la queue, que ce soit en attente, que ce soit pour aller vers les petits chariots et tout, et même l'intérieur, mais on est au-dessus en fait. Je compare beaucoup parce que bah, c'est le but aussi, tu vois, on est ici, je vous compare, c'est normal. Hier, Epcot, j'ai pas comparé parce que j'avais pas de point de comparaison, mais ici, j'ai des points de comparaison. C'est cool, mais quand t'as fait Phantom Manor à DLP, Samy ? T'es sûr ? Ah ouais ? Ah non, franchement, le nôtre, il est carrément largement. Mais quel petit tricheur! Il a triché. Jamais. Si.
Merci, espèce de tricheur. Des scènes en plus avec un bateau, là, elles sont ouf. Après, It's a Small World, moi je trouve que ça s'équivaut. Elles sont différentes, mais elles s'équivaut. Lui, il est pas d'accord. Non. À part la deuxième partie de l'attraction qui est vraiment bien, la première partie, j'ai pas trouvé. Moi, je trouve qu'elles ont toutes les deux leur charme. Par contre, l'attraction Ariel, non, mais l'attraction La Petite Sirène, c'est la meilleure qu'on ait faite là de toute la journée. Hein. Franchement, trop bien. La parade, elle était trop belle, la parade, franchement, elle est belle. Ouais. Elle est pas vieillissante et tout, elle est trop trop belle. Donc on est content, on a quand même une parade, à défaut d'avoir le spectacle ce soir et tout, on est content. Bon les gars, on est rentré de Disney, il est 19h, je vais pas faire de haul, je pense pas parce qu'il y a des trucs que je vais ramener pour Noël et tout, donc je pense que je vais vous montrer mes achats dans le vlog. Et là, on va au Walgreens se chercher un truc à manger, regardez, il y a un orage encore, se chercher un truc à manger pour ce soir. J'ai envie d'une salade là, j'ai besoin d'une salade. Jesus! Allez, on va accélérer, je sais pas. Bref, je vais vous montrer ce qu'on a pris. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses en merchandising et tout. Ils ont beaucoup de choses. Mais j'ai pas craqué ma gaine. Bah, déjà parce que j'ai pas non plus 36 milliards de places dans mon bagage, comme vous le savez. Mais même, je pense que j'ai déjà beaucoup de merch. Donc, forcément, j'ai un genre de raisonnabilité qui s'est un peu installé. Donc, je vais vous montrer. Voilà, ce que j'ai acheté depuis le début. Déjà, j'ai forcément craqué sur un jersey, faut pas trop m'en demander non plus. Il était à 79$, mais sans les taxes, je crois qu'avec les taxes, j'ai payé 85$ et quelques. Le logo, c'est ça. Il est trop beau, je l'adore, je l'aime trop. Ces t-shirts-là étaient à 30$, 25$ si on en prenait deux, donc ça m'est revenu à 50$ hors taxes. Puisque les taxes sont pas affichées, faut les ajouter à chaque fois. Donc moi, je me suis pris celui-ci
en 3XL, hein, l'avantage, c'est que là-bas, ils ont du très loose si t'as envie de... Si t'aimes bien les t-shirts très très loose. Ensuite, Samy s'est pris celui-ci, Captain America. Franchement, il est archi beau, je trouve. Genre, c'est écrit, voilà, Captain America et tout. Il est archi original. Je l'ai vu nulle part ailleurs, celui-ci. Donc, très beau. Ensuite, là, tout à l'heure, au Walgreens, j'ai pris ça. Des baumes Carmex, en plus SPF 15. Et ensuite, ça, c'était chez Walmart la dernière fois. Ils étaient à 10$ sans taxes. Donc, j'ai pris un t-shirt tout pack comme ça, qui est archi... archi large, hein, encore une fois, j'ai pris vraiment des tailles super super larges. Et ensuite, il y avait ce t-shirt là, Snoop Dogg, pareil, toujours archi large. Je le trouve trop trop beau. T-shirt fan un peu à l'ancienne. Il était à genre, 10$ sans les taxes. Je l'ai pris aussi pour ma petite sœur. Bon, il n'y avait que des grandes tailles, mais c'est pas grave. Nous, on aime bien surtailler, ça nous gêne pas. D'ailleurs, je vais arrêter le vlog ici, donc pour le vlog Orlando. Donc du coup, je vous reprendrai demain pour un nouveau vlog. Demain, on a prévu d'aller au mall. Ensuite, on aura Universal de prévu dans la semaine, etc., etc. Voilà, ce sera un nouveau vlog tout frais, tout neuf. Je vous dis à demain pour moi, mais à la semaine prochaine pour vous. À vendredi prochain. Et en attendant, ciao!